Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un déballage. Donc ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas refait de vidéo. Donc voilà, ça va être reparti pour la semaine qui vient ici, pour la semaine prochaine également. Donc pour reprendre les vidéos sur la chaîne, j'ai décidé de vous présenter un produit que je trouvais assez sympathique. Donc il s'agit d'une lampe intelligente. Donc une lampe à LED qui permet donc d'avoir plusieurs niveaux de couleurs, qui était assez intéressante et donc que j'avais eu l'occasion de tester il n'y a pas si longtemps. Donc voilà un petit peu la présentation de cette lampe pour cette vidéo. Alors tout d'abord, elle est proposée donc par Oki, une entreprise qui est chinoise je crois. Voilà, on a plusieurs niveaux d'éclairage et donc toutes les spécifications qui sont ici. On va pas s'attarder dessus, on va tout de suite passer au test de la lampe. Donc voilà, c'est 10 millions de couleurs. Une durée de vie de 35 000 heures. On a également donc une faible consommation, tout simplement parce qu'on a des LED, voilà. Donc elle ressemble à ça. Donc on va tout de suite la tester. Je vous propose de l'ouvrir. Alors je l'ai pas dit, mais je l'ai commandé sur Amazon. Donc vous pourrez aller voir dans la description. Tous les liens seront dans la description et puis vous pourrez donc la commander facilement. Elle arrive rapidement. Donc voilà tout d'abord la carte de garantie. Elle est garantie 24 mois. Il vous suffit tout simplement de remplir ce petit papier. On re retrouve également donc ici l'alimentation. Donc c'est une lampe qui sera alimentée sur le secteur directement. On a ici tous les câbles avec l'adaptation pour le secteur européen. Et on retrouve également un user manual qui est également présent en français. Donc voilà, page en français ici qui sera assez pratique. Alors voilà, la lampe arrive eh bien, bien emballée. Vous avez ici le support, donc ça se présente comme ça. On a notre lampe qui est ici. Et à l'intérieur, voilà, on retrouve le socle ici qui est en aluminium. Et ici, on se retrouve avec une surface qui va donc nous permettre d'éclairer eh bien, la pièce dans laquelle on se situe. Une lampe qui est donc intelligente, tout simplement parce qu'on peut la régler et qu'elle est capable donc de s'adapter automatiquement à son environnement, notamment en changeant de couleur selon l'ambiance. Donc voilà. Voilà toutes les informations derrière qu'on retrouve également. Batterie rose comme vous le remarquez et évidemment made in China. Voilà. Donc on va tout de suite la brancher au secteur pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Et bien voilà, la lampe est branchée au secteur. Nous allons tout simplement l'essayer. Donc pour ce faire, on n'a pas de bouton physique qui se trouve sur la lampe. Il faut tout simplement passer son doigt dessus. Donc c'est tactile, vous voyez. J'appuie une fois dessus et la lampe va s'allumer automatiquement. On a le mode de couleur blanche qui se présente tout simplement en appuyant une seule fois sur le bouton. Et on a ensuite les différents modes de couleur qu'on peut régler. Donc tout d'abord, on peut régler ici l'intensité lumineuse. Voilà, en appuyant successivement sur les boutons. Voilà, changer l'état lumineux de la lampe qui éclaire donc très bien. Et on peut donc également passer au mode couleur, donc au mode ambiance qui est plutôt sympathique en maintenant le doigt appuyé pendant 3 secondes sur la lampe. Et on a ici le mode couleur qui s'affiche. Et vous voyez qu'on a les nuances de couleurs qui vont automatiquement changer, donc parmi les 16 millions de couleurs qui sont proposées par cette lampe à LED tout simplement. Voilà, donc parmi le mode couleur, on peut également trouver d'autres modes. On reste appuyé pendant 3 secondes et on peut donc éteindre la lampe. Et donc si on rappuie, voilà, on peut se trouver dans plusieurs couleurs qu'on peut tout simplement venir définir en appuyant tout simplement sur le bouton. Donc voilà pour cette présentation vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Première vidéo de déballage depuis bien longtemps, donc il y en aura d'autres peut-être dans la semaine, je verrai comment je m'organise. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, à très bientôt!